L'UNOPS, en tant qu'agence des Nations Unies présente en Haïti depuis 2004, veut, à travers de ses projets, exprimer sa volonté d'un engagement à long terme dans la zone. Depuis 2003, UNOPS participe à la mise en œuvre de plusieurs projets au bénéfice de la population des Fonds nationaux. On peut citer entre autres la réhabilitation de la route principale et des sentiers et des corridors importants, la construction de 263 unités de logement, l'installation des lampadaires solaires, la construction d'un centre culturel, de plusieurs blocs sanitaires et des kiosques d'eau. Aussi, en prélude de ces projets, l'UNOPS, en partenariat avec la mairie de Port-au-Prince, a réalisé tout récemment l'écurage du canal Chérilom, aussi à la demande de la communauté, ce qui a permis l'écoulement d'eau, des eaux usées, et a contribué à l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers, notamment l'assainissement. Je vais surtout saluer et remercier la participation de la communauté des Fonds nationaux qui s'est impliquée à différents niveaux pour rendre ces petits projets possibles. Alors aujourd'hui, nous sommes devant le fait que la reconstruction de l'école des Sœurs de Sainte-Anne est une réalité. Cette école a été détruite lors du séisme 2010 et les sites dont nous sommes assis aujourd'hui, ça a été utilisé comme un camp d'hébergement pour les victimes du séisme et ainsi qu'une décharge dans la zone depuis plus de 4 ans. Sur ce, je tiens à féliciter, bien sûr, la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne pour leur engagement dans les pays depuis plus de 70 ans et dans les quartiers de Fort National depuis plus de 50 ans. J'aimerais bien aussi remercier surtout votre apport dans l'amélioration des conditions d'apprentissage que cette école chaque année va porter à plus de 520 filles. Votre contribution augmentera aussi l'accès aux soins de la santé au niveau des Fonds nationaux à travers la construction de ces dispensaires nationaux afin d'assurer leur résilience et leur durabilité. En accordant le financement à ces projets, la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne démontre pleinement leur rôle de partenaire au niveau des Fonds nationaux et l'importance qu'elle accorde à l'amélioration de la qualité des infrastructures éducatives et des santé dans la zone. Il faut souligner l'impact de ces projets qui créera un environnement d'apprentissage sûr, sain et productif pour les filles, conformément aux meilleures pratiques internationales en vigueur dans les écoles pour les enfants. De plus, le dispensaire fournira un service médical essentiel des soins ambulatoires et d'éducation en matière de la santé et prévention aux résidents de la communauté des Fonds nationaux. En 1928, l'œuvre ouvrit ses portes avec un effectif de 20 enfants et l'établissement d'une école fut possible. L'œuvre avait été reconnue d'utilité publique le 15 juillet 1930. En 1933, eut lieu la première communion. En 1946, l'inauguration d'un dispensaire pour répondre aux besoins des enfants de l'établissement et des quartiers environnants. En 1950, les Dames de l'œuvre, avec l'assentiment de l'archevêché de Port-au-Prince, s'adressèrent aux Sœurs de Sainte-Anne dans le sud du pays qui s'occupaient déjà du fonctionnement d'école et du dispensaire. Jusqu'au 12 janvier 2010, où, sous la présidence de M. René Préval, peu avant 5 heures de l'après-midi, un terrible tremblement de terre de magnitude 7.3 à l'échelle de Richter a secoué Haïti pendant 35 secondes. Et c'est le plus puissant séisme qui a frappé le pays depuis 200 ans. La zone métropolitaine de Port-au-Prince a subi des dégâts extrêmement importants
sans épargner la communauté des Sœurs de Sainte-Anne, dont l'avenue Pouplard, poste marchand, où d'énormes dégâts ont été enregistrés. Tous les bâtiments de l'école et du dispensaire ont été détruits. En cette année-là, année 2010, l'école des pupilles était dans sa 82e année d'existence. Aujourd'hui, 10 décembre 2018, en pleine période du temps de l'Avent, durant lequel nous nous préparons pour recevoir les grâces de Noël sous le pontificat du pape François, sous la présidence de M. Jovenel Moïse et sous le généralat des Sœurs de Sainte-Anne animé par Sœur Rita Larrivé, supérieure générale de la congrégation, à 9h30 du matin en présence d'eux. L'archevêque métropolitain, Mgr Max Leroy Messidor, représentant de l'archidiocèse de Port-au-Prince, M. Franck Alési, leader dans le quartier de Saint-Antoine, représentant de l'UNOPS, de M. Youri Chevry, maire de Port-au-Prince. Donc, nous avons procédé à la pose de la première pierre. J'ai réalisé aujourd'hui, dans le futur, nous aurons un poste marchand que j'ai travaillé pendant les vacances chez les bourdelles en bas pour faire des sous pendant les vacances. C'est un quartier que je connais bien, même si les gens pensent que je ne viens pas, mais je passe souvent la nuit, je regarde, je rêve comme tout le monde, je pose des pierres. J'ai déjà posé une pierre extrêmement importante pour nous autres dans cette commune, dans la ville, dans la capitale de Port-au-Prince, d'Haïti. C'est sur l'assainissement, sur les camions que vous voyez dans les rues chaque jour. Je demande à tout le monde de continuer à m'aider à avancer avec ce projet. Parce que ça coûte extrêmement cher et nous n'avons pas d'appui de personne. C'est surtout vos taxes encore qui sont encore dans les rues. Alors protégez-les s'il vous plaît et encouragez les gens qui travaillent. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je devais venir plus souvent. Comme j'ai dit au commencement, je suis un serviteur. Convoquez-moi quand vous voulez, je serai là. Et je vais directement dire aux sœurs, faites ce que vous savez faire mieux. Éduquer. Et nous allons sortir là où nous sommes là maintenant.